Bienvenue dans Split. Oh! Mais non, il regarde à travers seulement. Mais il est grave. Oh! C'est horrible. Ah, la tête avec la perruque, c'est horrible. Mais non. Ça me terrifie là. C'est horrible. Shut up, you whore. Mais elle est sérieuse, l'autre, qu'elle est venue avec son truc pour faire ses pancakes là? Mais c'est pas. Coco! Oh, regardez quand il me regarde lui! Regardez les autres, ils regardent tous devant eux! Et lui, c'est le seul, regardez! Comment il me regarde! Ah! J'ai un écran noir, j'ai rien fait! Non, il n'y a que ma mère et moi. Juste vous deux. Je suis taxidermiste. Ah bah c'est rassurant. Eh bien, je prends des animaux et je les prépare. Leur peau, leur embourrage, je les dispose. Oh, des animaux en particulier? Non, pas vraiment. Je préfère les petits animaux inoffensifs, les oiseaux, les rongeurs, quiconque va être mon ami. Oh non! Ça c'est le mec qui tue des gens, ouais! Regardez, je vous l'ai dit! Je vous l'ai dit! Je suis sûr qu'il a buté sa mère! Je suis sûr qu'il a buté sa mère! Il l'a tué ou quoi? Il l'a buté en fait, c'est ça? Il veut pas qu'on aille la voir. Parfois elle me crie dessus à cause d'eux, mais seulement s'ils n'ont pas été gentils avec elle. Et puis elle a tendance à leur couper la tête. Elle m'a dit que c'est pour leur bien. Je le sens très mal. Et leur coupe la tête pour leur bien. Quel âge a votre mère? Elle est vieille? Mais pas si vieille. C'est impoli de demander l'âge d'une femme. Non, vous avez raison. C'est juste que les gens deviennent parfois bizarres quand ils vieillissent. Vous pensez parfois la mettre quelque part où on pourra mieux s'occuper d'elle? Comment ça, comme un asile de fous? Pourquoi ferais-je ça? Non, rien de la sorte. Juste un foyer. Vous mettriez ma mère dans un asile de fous, hein? Non, elle n'est pas folle. Je ne sais pas ce qu'elle ferait si elle vous entendait. Elle sait pas ce que vous voulez dire. Les mots ont un sens. Et les actes encore plus. Pourquoi avez-vous autant d'argent dans une mallette? On peut se poser la question, oui. Quoi? Vous m'espionnez? Ça part en latte. Vous espionnez? Non, j'ai rien fait que ma mère n'approuverait pas et ma mère n'aime pas qu'on espionne qui que ce soit. Vous êtes sûr? J'ai même préparé un dessert. Vous ne voulez vraiment pas rester un peu plus longtemps? Oh, il va la choper. Non, je pense qu'on devrait éviter de se mêler des affaires de l'autre à partir de maintenant. Ils sont pas nets dans ce bled. Hein. Nous parlions juste de ma mère et je tiens à préciser que ma mère n'est pas folle, elle va très bien, elle perd juste un peu la tête parfois. Il l'a empaillé sa mère. Quand elle apprend des mauvaises choses sur les gens, elle devient aussi un peu mauvaise. C'est le sang que je n'aime pas. Tout ce sang, il y en a partout. Hein. Il l'a buté. Ce n'est pas une fille bien. Maintenant, tu sais que les catins... Non, mère, pitié, elle ne savait pas ce qu'elle disait. Il l'a buté, il a deux personnalités. Mais non! Oh, il y a la meuf. Mais c'est la fameuse meuf. Je viens de caler un truc, elle a le même tableau. Je suis sûre qu'on peut regarder à travers. Et du coup, il l'a regardé. Je suis sûre. Regardez! On la voit dedans. Oh, le truc chelou. Yes, bien joué. Oh, la qualité, le pixel. Qu'est-ce qu'elle fout, elle? What the fuck? Avec tous ces billets là? Qu'est-ce qu'elle fout avec tout ce pognon? Elle est encore ici, je me demande à quoi sert tout cet argent. Elle fuit probablement quelque chose ou quelqu'un. Du bruit vient de la maison derrière le motel. Je devrais aller jeter un œil. Oh, la fameuse baraque! Non, mère, je ne le ferai pas, elle n'a rien fait de mal. On parlait combien qu'il l'a empaillé? Oh,
Il va me voir en fait là. Je peux pas bouger pour voir mais... Ah non. Mais ça ne me fait pas de lui un meurtrier, je dois le suivre et voir ce qu'il fait, il faudrait mieux qu'il ne me voie pas. Ah, il a dit il faudrait mieux qu'il ne me voie pas. Ouais, là, les portes, ça se ferme pas. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire la vieille, il va mettre la perruque. Mais qu'est-ce qu'il fout? C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Elle se douche en plus grave. Oh là là. Bienvenue dans Split. Oh! Mais non, il regarde à travers seulement. Mais il est grave. Oh, c'est horrible. Ah, la tête avec la perruque, c'est horrible. Mais non. Ça me terrifie, là. C'est horrible. Shut up, you whore. Voyons ce combat incroyable. Oh là là. Non mais c'est bon. Non mais c'est quoi ces conneries? Il faut le buter là, il faut le buter. Oh, en plus c'est très discret. Putain. C'est un meurtrier de 4ème cavalier. Il a quitté sa chambre et transporté un cadavre. Où? Bah là, on a trouvé. Ah, oh, il va le mettre dans le truc, dans le bac. Ah, oh, il va le mettre dans le bac à glaçons. Je suis sûre. Il va refermer le bac. Ah non. Ouais, là. Attends, moi je le regarde de là. What the fuck? C'est clairement le truc le plus creepy. Ah, il l'emmène au cimetière, ouais. Une sur deux. Oh putain. L'autre, elle est où? Ah, c'était ça! Mais c'est tout pourri! Je pensais que j'avais le follow. Ah, me dis pas que j'ai mis la perruque, j'explose de rire. Mon esprit dans le vôtre. C'était juste ça à faire, c'est tout nul. Ah. Mother? Is that you, mother? Ah! Are you all right, mother? Bah non, tu vois bien que ça va pas là. Il s'est poignardé tout seul, ce con. Parce que... Ah. Pouvons-nous mettre les voiles? Attrape ces cordes, s'il te plaît. Ah. Ces cordes. Ok.
À vrai dire, les requins pullulent dans ces eaux, le golfe est directement connecté à l'Atlantique. Et ils peuvent trouver beaucoup de nourriture de ce côté. Alors fais attention à ne pas passer par-dessus bord. Ouais, t'inquiète. Surtout si tu saignes, ils peuvent sentir moins... Et puis ta taille, ils pourraient te confondre avec un phoque. Ah, ça fait de l'humour. Comme par hasard, maintenant, videz le poisson. Tiens, tiens, tiens. Alors que tout à l'heure, ça me disait pas ça du tout. Et maintenant, lancez les boyaux. Et voilà. Ah, merde. Il y a un requin qui va arriver, on va rien comprendre, mec. Hein. Ah, ok. Putain. Quoi? Bah... Oh non, pas papy. Écoutez. Et en plus, il a dit ça va attirer les requins. Elle est horrible, j'avoue, la séquence. Aide-moi, gamin, il me faut une corde ou quelque chose d'autre. Mais j'aime pas les requins. Et regardez, regardez le plan de coupe, là. Ça pue le requin. Ah, maman! Ah, les requins, putain...